C'est pourquoi nous, le COLA, une structure informée de notre parti, qui est d'ailleurs l'IDPS, là-bas, de l'IDPS, c'est-à-dire le Parlement debout, première illimité, Toyaka Ao, la limité première rite chaque jour, avec l'objectif de informer la nation congolaise, c'est-à-dire le peuple. Oyo, moi-même, je suis un combattant de l'IDPS, car cela ne tient, mais je suis aussi parmi le peuple. Le Kola, Tozaba peuple, et za droit nabiso. Yakoyoka, l'information, yamboka. Nena bandi, na première information nangai, nazo banda, na information, ya conseil de sécurité, ya Nations Unies. Conseil de sécurité, ya Nations Unies, va siéger qui lobby lundi. Conseil de sécurité, ya Nations Unies, oyo, va siéger qui lobby. Mokoloman lobby lundi, mais Manson et les cas qui lobby dans le Conseil de sécurité des Nations Unies et Zala qui basé sur la question de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, Bissot, tant que ma gardien du temple, Baïke, Baïke, ma protecteur, il y a pouvoir, il y a Félix Antoine Tshisekedi, Nebiso Tolobi Boye, lobby na réunion, il y a conseil de sécurité d'ailleurs, il y a Nations Unies, Tomona qui la présence, il y a ministre des Affaires étrangères, Oyo Amema qui une délégation, je cite Madame Thérèse Kaikwamba, Wangle. Ministre Affaires étrangères et la République démocratique du Congo, Azoa qui part, mon colombo lobby. Kuna, le Conseil de sécurité des Nations Unies, Oyo, la République démocratique du Congo, Totikali ferme, na position na biso. Maman Thérèse, que Dieu vous bénisse, lobby na landa kiyo. La colombe intégralité, ya oyo yo lobaki, mokoloma lobby, ba kongole nyo sotolanda kiyo. To sepeli, mais renyo ya mokolo ya lobby, c'était le lundi, sur la question ya sécurité entre la République démocratique du Congo, o lobaki na yo malam, maman, que Dieu vous bénisse. Mais ba kongole bola nanga partout dans le monde, parce que awa naza défend par média oyo esengeli nan loba la vérité. Madame Thérèse Kaikwamba Wangle, ministre ya Congo ya affaires étrangères, au lobby très bien sur la question ya quoi qu'isé le Rwanda, c'est-à-dire le président rwandais. Nazu d'abord la première parole na yo. Na paragraphe à Liboso, oyo na retenu malobo yo lobby. Yango na bandina yango. O lobby boy. Le président Kagame, oyo d'ailleurs na benge le président. D'ailleurs na cadre moko ya moralité, je dois le respecter parce que azali un président aza ko diriger toute une nation, tout un pays, ya Rwanda. Au lobby clair, la situation sécuritaire à l'est de notre pays, Moutouyo Aza, à la base, Yabitumba, Yakoluka par tous les moyens, comment copier nos ressources naturelles, comment Koiba, entre autres, parce que ici, aujourd'hui, dans le temps, on a un combo, Cassiterite. Parce que selon le rapport, il y a des experts en Nations Unies, la territoire de Massis, un territoire riche à ce qui concerne les coltans. Territoire de Massis, la cité minière de Rubaya,
cité minière de Rubaya. Oyo, Maman Thérèse Atangi Lobby. Bakoi Babiso Cassiterite. Après près 512 tonnes chaque semaine. Selon les informations, on a eu une tonne ou soit une tonne. Il y a Cassiterite. Oyo, Banyara la 4 armée rwandaise. Bakoi Babiso. Oyo, Eza Kofarien na valeur en termes de chiffres à Misono. 100 000 $. Mais Bayouma Oyo, Bayouma Biso 512 tonnes chaque semaine. Si on est dans le Congo, les bêtes à calcul, tonne moko ya cassiterite, Eza Kokoute 100 000 $ américains. Si on est dans le bêtes à calcul, 512 tonnes Oyoba Koiba. Et tu as combien de dollars? Point d'interrogation. C'est pourquoi nous sommes toujours dans le même ordre d'idée. Réunion et le kilobi dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons acquis la délégation rwandaise, ministre des Affaires étrangères et à Rwanda. Nous avons acquis sur place. Mais Nathalie, comment notre ministre des Affaires étrangères, Maman Thérèse, a metti cédé sur la position de la République démocratique du Congo. L'armée rwandaise, Namaloba Maman Thérèse, on l'a dit très bien. L'armée rwandaise, Monsieur Kagame, a respecté Kate, Boyokani, il y a un organisme international. Entre autres, tout le monde qui demande à cesser les faits. Il y a administration États-Unis. Ici, je parle de l'États-Unis d'Amérique. Et ça, l'organisme international, il y a unité. Mais Awa, c'est les États-Unis. L'actuel président des États-Unis d'Amérique, l'administration, le gouvernement, Mbokanaye. On leva qui l'option. Il y a Kosenga, c'est le fait entre le Rwanda et la RDC. Mais chose grave, pendant que les États-Unis d'Amérique passent à qui cessent les faits, il y a la carte à Kagame, à Zali toujours qu'on continue. Au bon moment, il y a Congolais, Koiba Biso Minere, Oyo a respecté la question, il y a cessé les faits. Ça, c'est un. Deux, Maman a Biso Thérèse. Ministre de l'Affaires étrangères a bêtisé sur la question diplomatique. Oyo, la RDC doit engager le monde entier. Entre autres, je commence. 1. Procès Oyo, vice-ministre de la justice à Congo. Monsieur Samuel Mbemba. Oyo, tu saisis ça qui déjà. La justice internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est. Dossier Zobanda le 12 avril de ce pays. Même si la justice, la cour et la justice, il y a communauté des États d'Afrique de l'Est, il y a eu un peu de manœuvre dilatoire, de manœuvre d'air dilatoire. Otomoni, la communauté rwandaise, Bayaki avec une politique. Il y a Koluka, comment manipuler cette grande instance judiciaire dans le compte de la communauté des États d'Afrique de l'Est, même si la RDC, toi des acquis, toi ça des acquis, mais toi es colon, mais toi l'ongwa dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, toi l'ongwa, mais toi tu es un député dans le Sokoun. Ça, c'est toute une évidence. Le scientifique, les intellectuels du monde ont tiré ma dividende. Par conséquent, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la RDC, Tofunaki Kagame, le gouvernement naïe, n'a pas composé comme les actes en République démocratique du Congo. Et Sengeli, pas Samba, pas répondre à la justice. Il y a communauté des États d'Afrique de l'Est, n'a pas acte Oyo,
bango baza composé. Ça c'est un. De deux, toujours la RDC. Au nom, il y a Union africaine. Donc saisissant qui paie d'ailleurs déjà. La cour, il y a justice. Il y a droit de l'homme de l'Union africaine. Oyo procès et ça qu'on fait en mappé, ah on a janvier, ah. Deuxièmement, la cour et la justice à droit de l'homme de l'Union africaine, on va se prononcer qui d'ailleurs, n'a qu'on va te qui en faveur à RDC. Mais je dois le dire en faveur à RDC, pourquoi? Parce que la diplomatie agissante, il y a chef de l'État Fatou Beto, et bon télébisso bamboumma. Oyo, et ça lui permet de biso le lot. Comment yo, chef de l'État Lobaka, la justice est malade. Mais les Congolais, d'autres Congolais n'ont pas compris. Maloba oyo, ya chef de l'État. C'est pourquoi naye ao. Nathalie Sabino Makamboyo, pour comprendre que Congolais tu engagé le lot. Si la va diplomatique à chef de l'État Fatih Beton, Eza Congo ya kalate, oyoyo yebaka, Eza Congo anate, Congo ya lelo, et komi Congo ya kimia, oyo toko luka, que justice internationale est salema. Wana na cadre communauté des États d'Afrique de l'Est et na Longwe, na ye na justice, ya droit de l'homme. Na niveau, il y a l'Union africaine, j'en passe d'ailleurs. Na y a un troisième procès. Et ça lit procès, oyo, monsieur Karim Kam. Karim Kam Azanan. Azan numéro 1, il y a cour pénale internationale. Oyo Tobengi CPI. La CPI, la RDC, Nanzela, il y a notre vice-ministre de la justice. Oyo, Nazali qu'on remercie ici, parce que les Congolais belé ba ebika Constant Moutam. Mais ba ebite que Constant Moutam a pe na fils na ye. Na komo monsieur Samuel Memba a Constant la Moussala Malab. Excellence, monsieur le ministre, le vice-ministre de la justice, monsieur Samuel Memba, que Dieu vous bénisse. Vous travaillez très bien. Vous êtes d'ailleurs dans les bancs. C'est pourquoi la RDC Tofundi Rwanda Kagame na gouvernement na ye na ce pays va répondre na ba acte na bango devant la RDC. Selon Samuel Memba lobi boye RDC tokota ka Rwanda te, to agresa ka population rwandaise te, to iba ka minere moko te na Rwanda. Mais boni boni Kagame na banyanga la kata ba militaire na ye ba yakao na mabele na biso ko agresser biso ko piller biso ba ressources naturelles na biso procès za ko fungwama ya mon FC ba Congolais nyonso bola na na partout dans le monde l'année 2025 oyo to ko banao ezali année oyo to komo nebele ma à la RDC en commençant le débit en 2025. Oyo, mais c'est Kagame Toro Yuma. Toro Talise que la RDC est allé un pays Oyo qu'on manipulé jusqu'à ce niveau. Ce qui Kagame manipula Congo, c'était à l'époque à Kabila Joseph, pas à l'époque à Fatih Beton. Ça c'est vrai et c'est n'est pas retenir rien. Naïe na réunion il y a le 15 décembre. Le 15 décembre, oui. Na cadre à l'Union africaine. Le président Lorenzo, le président angolais. Azali qu'organisé ensemble na bakambi. Il y a l'Union africaine. Les assises, il y a cessé les faits. Les assises, il y a Boyokani. Entre Kagame, na Tshisekedi, ça sera na Luanda, na Angola. Le 15 décembre, Esengeli, Félix Tshisekedi, Basolo Lana
bakangami na Rwanda. Mais question moko inquiétude des ali. Est-ce que tu sais que ni akolinga kosolola na Kagame le 15 décembre na Rwanda? Na Rwanda plutôt, point d'interrogation. Na likambuni tale loko ele kilobi na Paris pour comprendre nga la main noire. La justice ordonnée. Oyo d'ailleurs se condamne. Makambo et le kilobi na Paris. Na cadre ya écrivain camerounais français. Monsieur Charles Onana. Oyo ba congolais nyonso boyebi. Camerounais moko. C'est un écrivain. Ba condamné lobi na France. Na makambo ya Congo, oyo etali ata Cameroun te. Charles Onana, mon vieux, mon grand frère, nazali koyebisa yo, kobanga te. Ba congolais nyonso to asima na yo. Oyo eleki na kombo na yo lobi na Paris, biso ba congolais toyebaki déjà que la justice aux ordres. Une justice aux ordres. Il y a des Français qui doivent comprendre d'ailleurs les sanctions. Oyo n'a remarqué personnellement, Cyril Mwambamwa na Koli, n'a remarqué manipulation par la lobbying. Oh, parce que Tomoni, lobbying est le cas qui est en France. Lobbying est en Rwandais. Lobbying est en Rwandais. Oyo Tomoni d'ailleurs. Manipulation, il y a justice internationale. Oyo mboka France va se pencher, va kati likamboyo en faveur. Il y a lobbying, il y a avocat rwandais, oyo namoni une main noire. La justice aux ordres des étrangers, banyanga la kata mindele. Oye la biso soi-disant la démocratie, que le peuple, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple Lukuta. Chers Français, ba Congolais, te comprenez le code. Soi-disant, lorsque vous présentez biso la démocratie, le code à la politique dit comme le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Mais la démocratie en soi, elle a le pouvoir et peuple pété. Pour peuple en soi-disant, a bénéficié à peine pouvoir na pété. Selon moi, la démocratie, c'est une autre forme de la dictature. Oyo et c'est kachaka derrière les institutions. Exemple que je vous dois. Nazui, Assemblée nationale à Congo. Vous pouvez comprendre que la démocratie est le pouvoir et le peuple par le peuple. Lukuta, Oko sera peuple. Mana timbe la bino et mana sera bino vérité. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, selon moi, la base de l'IDPS première illimitée, selon moi, la démocratie, c'est une autre forme de la dictature. Qui se cache derrière les institutions. C'est à la netielo ou le kina Congo. Par rapport à la démocratie, un certain ministre Alexis Guizaro. Alexis Guizaro n'a pas dit qu'il y a des bandes de l'autre lobby. Ministre de l'infrastructure à Congo. Un député national a cotisé une motion de défiance contre ce ministre. Selon les députés nationaux, dans le cadre du contrôle parlementaire, d'ailleurs, les actions sont parlementaires. Un député national mandaté par le peuple avec un mandat non impératif, mais député national a compté ici motion à défiance, va signer signature 58 députés. Selon l'article 235, il y a règlement d'ordre intérieur, il y a parlement. Lorsque une telle motion, une motion de défiance est dans le parlement, et Sengeli, le bureau de l'Assemblée nationale, a organisé, dans moins de 40
8 heures et une plénière. Balobela Likamboy. Mais Tozeli 48 heures plénière dans le Parlement et l'équité. Ça c'est de deux. Ma autorité morale, il y a ma député signataire. Il y a la dite motion. Tola li tola mouki. Ma député Oyo, ma désavoué. Na signature na bango moko. Le cinquantaine de députés ont eu d'ailleurs à désavouer de leurs prérogatives constitutionnelles garanties d'ailleurs dans la loi portant organisation du Parlement. Chose grave. Au moment où le député Willy Michikalobi et Zali outrage l'Assemblée nationale. Cela veut dire quoi? Député Oyo vota au dîner dans le Parlement. Et la commune en parlement, au lieu à Salamoussala naïe, au peuple à Tinde laïe. Mais depuis ta komikuna, la motion de défiance contre M. Willy Michiki, contre M. Alexis Guizaro, mais ma autorité morale va tient injonction. Ma député Nyonso va signer qui va retirer signature, va désavouer. Est-ce qu'on dit que ce n'est pas ça la démocratie? C'est la dictature qui se cache derrière les institutions. J'ai totalement raison. Tant qu'intellectuel scientifiquement. Mes très chers amis, la question de la démocratie en Afrique est une question et distraction. Basali qu'on distraire Bisso, soi-disant la démocratie. Pouvoir et peuple, par le peuple, pour le peuple, l'Ukuta, Congolais, partout dans le monde, l'Ongolais qui faut que l'Ongola salité, que soi-disant la démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, de n'importe quoi. La démocratie en soi, c'est une autre forme de la dictature, monsieur, c'est la dictature. Parce que depuis que vous votez, au Tindien dans le Parlement, au lié à l'Oba, au nom du peuple, au Tindaye, mais il y a comme il y a une autorité morale. Mais c'est la dictature. Vous avez dit dans le commentaire, vous avez dit que vous avez dit français, vous avez dit que vous avez dit partout dans le monde, vous comprenez que Cyril, moi, maman, vous avez la vérité. C'est la vérité. Mais les lots n'ont pas Sabino, t'as là-bas député bon à la laisse, Nazan Abino. Les lots, pour comprendre que parmi les députés, les 500 députés soi-disant, vous se retrouvez dans le Parlement, d'autres vont être attaqués au bâti. Babin a aura honorable. Est-ce que pourquoi Babin a député honorable? L'honorabilité, oyotopie a bien pouvoir, place au bon tir à kaba dividende, ouana. Yo et bien moi, les gens européens sont les sommes politiques. Pour comprendre, Nazana Bino. Lobby ministre n'a pas fait étranger. L'Olé Nazara qui Koloba, à soi qui part dans le Conseil de sécurité et des Nations Unies. Oyo accusé les Rwanda. Kagame. Opération Ndobo. Opération Ndobo. Et Banaki depuis le vendredi. Le VPN de l'intérieur, après avoir lancé opération Oyo, Tobengi d'ailleurs, opération Ndobo, Bazali na mission Moko, Kokanga Bakuluna, Ata Okimi na Kinshasa, Oke Matadi, opération Ndobo Bakolando partout, Ata Okimi Kinshasa, Oke Paris. Bakolanda yo partout. Et bongo soki bachewe maboko. Komo na yo ange. Oye to boye te. Oui. Demona ki ministre de justice. Depuis le samedi. Kuna na tiangu na meeting. Maya lobaki. Na koloba yango. Na kati. Ya information na ngai. Na ye. Awa, notre chef de l'État le mercredi, il
discours à la nation. Il y a ce de l'État Fati Bento. Oyo, à Koloba mercredi, oyo. Le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré discours. Il adresse à la nation, ça sera le mercredi à partir de 12h. On en a parlé du peuple, des députés nationaux, des sénateurs, des Kosangana. Oyo, des Kosangana d'ailleurs en congrès, conformément à l'article 77, ainsi que la question du règlement d'ordre intérieur du Parlement. Le président de la République va s'adresser ce mercredi dans le cadre du discours à la nation. Mais bande konangai na lingi na des avancées discours à cet état sur cette question. Félix mercredi à Koloba nil na bandi d'abord na question ya requalification ya question ya état de siège. Madame la Première ministre a déjà dans ma recommandation il y a ma force vie, il y a Ituri ainsi que y a Nord-Kit. Ton ami, conformément à l'article 219 de la Constitution, on ne peut pas toucher à la Constitution lorsque notre nation peut aller sous état d'urgence ou soit sous état de siège. Pour encore respecter l'article 219, c'est pourquoi le président de la République a créé une commission. Et elle a été dirigée d'ailleurs par Madame la Première ministre, je cite, Maman Judith Tshumino, Oyo Ayambaki, par recommandation Ebele, il y a force vive, il y a Ituri, ainsi que il y a force vive, il y a Nord-Kit. Mais dans ma recommandation, Oyo, Maman Judith Tshumino, assis à Sali rapport Naye, Oyo, Tozo Zela, le président de la République, Yemoko a se penché sur cette question. Mais selon les informations à notre possession, au collègue mercredi, la question est la requalification. Il y a état de siège, la force sociale, ainsi que les forces vives. Il y a Bounia, il y a Boma, les deux provinces, en notable. Ma chef coutumier et tant d'autres rapports Nabango et sont mis déjà dans ma boko. Il y a madame la première ministre. Oyo, et Sengeli Lelo après sa rapport dans ma boko. Il y a chef de l'État. Sur cette question, mes très chers amis, la question, il y a requalification. L'état de siège, comme je viens de dire tantôt, le président de la République à son tour, y est fait avant à sa décision finale, n'a vrai lingala, ce qui est état de siège est cause à la tête, cause à la tête. Mais à ce que moi je sache, Fati à son longola, état de siège, soit le lot, soit mardi. État de siège, chef de l'État, à Kolongola yango mercredi, na discours na ye, na cadre ya adresse à la nation, oyo conformément à l'article 77, et pèse lié pouvoir, yako s'adresser na peuple sur toutes les questions. Que ce soit les questions sécuritaires, ou soit les questions sociales, ou soit d'autres questions, le président a pour s'exprimer ce mercredi. C'est pourquoi, dans un élite, on est dans un notable et un orchide, dans un notable et un Ituri, sur cette question, il y a une qualification.
l'application. Dans l'état de siège, on demande ta proposition. Mes amis et bénévoles, en dehors de ma proposition, demande un peu ma recommandation. Oh, d'ailleurs, avant le chef de l'État, à l'obéla yango. Prati, à Koyo Kapé, à vie, il y a ma députée nationale ainsi que ma sénateur. Ah, je pense qu'elle a communiqué information et malamou. On l'a dit ça matin, na biloba le boye koreba mana réseaux sociaux. Avant la question, il y a l'effet, il y a l'état de siège. Et Sengeni, chef de l'État, ayo kapé a vu, il y a ma élu du peuple. Le londe, Satibeto, a koyamba. Makanisi ya ba député nationaux na ba sénateur pour que a violé constitution te. Probablement ba te ke Tshisekedi a tia kete de siège yemoko, alongoli yango yemoko, pour éviter ma question yonios. Le londe tokoye ba position ya ba législateur sur cette question. Il y a état de siège. Mais mes très chers amis, voyez ma tête. Le mercredi, le discours du chef de l'État a colombé la paix, la question, il y a changement, il y a constitution. Parce que si cette question, il y a changement, il y a constitution, tout le monde lobby, bande conabiso, il y a palou. Oyo et Kambami, la secrétaire générale Willy Michib Willy. Monsieur Willy, je dois citer bel et bien son nom. Willy Makiashi. Willy Makiashi, Mokambi à Palou. Parti politique au Boébi, Papa Antoine Kizeng à Koufa Kenda. Mais le nom, Willy Makiashi, Yemoutou, Azali, Kokamba, parti politique. Oyo! Demande paix, ne connaissez pas, il y a parti politique orange. Je cite le président Sioyondondo. Oyo, Ezala Palou, Ezala Orange, Bandimi, pour accompagner le chef de l'État sur la question, il y a changement, il y a constitution. Il ne peut se vivre. Mais on peut précéder chef de l'État. Toyo Kakaka, mercredi oyo, Fati a koloba nini. Aïke boyete boyete. Si c'est na zongi depuis le samedi, Monsieur Moïse Katumbicha, na Monsieur Martin Fayou, basali bloc depuis le samedi na Genève, kuna na Belgique. Bande konanga bola nanga partout dans le monde. Nabino Bayebo kola nanga na média en direct. C'est la honte pour une nation comme la RDC. Moïse Katoum, Martin Fayou, Balongo awa na Congo. Bakei kosa la bloc na Belgique. Moïse Avandi. Fayou Afandi, Basali Flop, le deux individus, d'ailleurs, vous excusez le terme, le deux étrangers, parce que quand on a Fayou, un Sénégalais d'origine, un Kouyakouya na Congo, Fayou, Fayou, il a fini, Fayou, Moïse Katumbi, na Martin Fayou, depuis le samedi, Basali Bloc, na Jempal, Kuna na Mboka Belgique, Oyo, Basali Bloc, na Bango na Bruxelles. Moïse Katumbina, Martin Foyou, na Basangani, na Bloco, Basali, Bayo Kaniboye, ba militant ya Foyou, na ba militant ya Katumbi, Basangana, Basala Bloc, Batelemé la Félix Antoine, Nalikanisio Yazui, Yako changer notre constitution. Selon Martin Fayoulou, selon Moïse Katoum,
Alors, il y a ce qui peuple matique et Félix est temps. Il y a qu'on change la constitution. Félix a coco manakombo. Martin Foyou la lobby. Foyou la lobby boy. Tu sais que dit à coco ma si l'ombre c'est seco plus que mon bout. Je ne sais pas si je suis un prophète. Je ne sais pas si prophète. Je ne sais pas si je suis un mandat. Mais selon le lobby, si c'est que je suis un prophète, je ne sais pas si je suis un prophète. Je ne sais pas si je suis un prophète. Je ne sais pas si je suis un Il y a société civile. Société civile, Balobi Boye, comptant les deux opposants, les deux grands acteurs politiques à Congo, au lieu de Sanganata na Mbandaka, au lieu de Koutanata na Bouende, au lieu de Koutanata na Matadi, mais Botiki Bambo Kanabino, au Keiko Koutana na Belgique. Belgique, Mboka Oyo, Matele Melaka la candidature à RDC comme un pays membre à droit de l'homme, mais bino bolongo au pays na Belgique, na Michel Yabapé, et Matele Mela Félix, et puis le secrétaire général y a décidé, alors bino balo bana monsieur de Vos qui toque, alors Félix a un dictateur plus que Mobutu. Nous avons eu mais à la défense, à la Martienne, à la Katumbi, à Malouba. Bayoumé Balobi, et Sengeli peuple, a télémé la troisième mandat, il y a Félix. Nebango Balobi, le 14 décembre, Bazana Mamana meeting, on va organiser na Tiangou, dans ce pays de paix, la base de l'imité première. Le bibi sope toza na tata na meeting out. Bango bana mama na meeting na tchang bisope toza na tata na meeting out. Matinil to matinil te. Matinil. Il de presse vifa. Viva. Fatime. Nathalie Fayou. Nathalie Katumbi na Belgique. Fatali Blok. Matele me la mona mboka Fatime to. Oye balobi Félix. A koki ko akorde yete. À ce troisième mandat. Mais Baza Bayoum, yoke loko. Bazo le ba troisième mandat, mais Bazo Bosane loko moko. Changement et constitution, et lingi kolobani. Différence et sali entre la révision et le changement. La révision, c'est lorsqu'on touche ou on change. Quelques dispositifs, il y a la loi constitutionnelle, mais ordre juridique, éthique, c'est ce qu'on appelle la révision. Pendant que le changement, on commence d'abord à faire tomber l'ordre juridique à notre constitution. Troisième République, Ekwei. Quatrième législative, Ekwei. Et vous avez dit que Félix a le troisième mandat. Mais vous avez dit l'été. Pour nous, nous avons dit que vous avez dit l'été. Nous avons dit ceux qui ont changé la constitution. Troisième République, nous sommes en pleine troisième République. Et pourquoi quatrième législative, et quoi un mandat et pandémie à zéro. Vous avez dit clé. Félix est besoin de l'élo. L'obi n'a yé à Koko Mayasika. Alors, on a dit que Fatih est bien Fatih Yasika. L'obi en 2028, Fatih Yasika. Fatih Yasika. Si c'est que dit tout le monde Yasi. D'ailleurs, tous les salles ont bien pris des fertés. En 2011, R. Kabila a la révision. Il y a la constitution. L'icône est quoi yaté? Pour que nous ayons un référendum, tout le monde a des grands électeurs. Il a touché quelques lois, il y a la constitution, Nicolas Koyate. Boni, boni, tout le monde a premier tour, tout comme on a deuxième tour, il y a l'élection présidentielle. Comme on a commencé à la Kamakamo,
en 2006, Étienne Tshisekedi a télémélaka la dite constitution. La question d'ailleurs, il y a 5 sites, mais bon, Sani, il dépèse de Kwazaka Maboko. Tout le monde a dit que oui, souverain primaire, aux peuples, en se penchant sur cette question, de Kwazaka Maboko. C'est la même chose aujourd'hui. Les lois dépèsent au pouvoir de condimenter avec une constitution. Oh, d'ailleurs, il y a équipe, il y a rédaction. Natsimi Simi na bandi ya Kisangani et Salemaka avec plusieurs mains noires, mains étrangères ya bapaya. Constitution moko oyo tomona bapaya et komama à l'issue d'ailleurs ya ba groupe ya ba rebelle. Ba Jean-Pierre Mbemba Kangi Kwe, ba Denis Sesanga, ba Roger Lumbala na kwe na bango. Joseph Kabila rebelle n'a pas naïe. Oh d'ailleurs, je tiens ici à informer la population congolaise. N'a pas mensonge le Nayoki. Foyoulou Alobi Lobi. À partir de la Belgique. Foyoulou Alobi. Oh Félix Alinga Sala. Les alliés coup d'état institutionnel. Foyoulou tu es malade. En 2001. Mouzé Laurent Désiré Kabila a koufi. Selon Mibeko Oyo, Ezomaki, na cadre fonctionnement ya mboka na biso à cette époque, Esengelaki, le président ya pouvoir législatif, a remplacé Mouzé na Liwa. Mais va présenter biso Joseph Kabila. Joseph Kabila Zalaka Nani, pose au pouvoir en 2001. Oyo Joseph Kabila Sala na 2001 yango wana babengi coup d'état institutionnel et non Félix parce que l'article 218 est pessier pouvoir yako initié tout changement ou révision ya constitution à biso. Et d'ailleurs pour votre information, le président de la République a Diembeli l'article 5 de la Constitution. Oyo la question du référendum et Zali corrélevé dans le pouvoir du peuple. Et d'ailleurs, pour vous choquer, l'article 23, Oyo la Constitution a dit ça, et le béni la liberté d'expression. Félix Tshisekedi Azali un être humain. En dehors, il y a ma prérogative constitutionnelle. Comme un président de la République, mais c'est un Congolais, le Congolais, a coquille qu'on s'exprimer comme est l'isolé à changement de la constitution. C'est comme d'autres Congolais. Et c'est Nelly Tosomanama Koma. Au lieu de représenter l'opinion publique, rencontre à Moïse Katou, rencontre à Martin Fayoulou, na Moïse, Oyo Basali Bloc. D'ailleurs, Moïse, na Martin Fayoulou, Mangonio Somi Balé Bamalouva. Parce que côté la Moïse, Makila est un commerçant coopérant, côté la Fayoulou. Nanya Salake Ada Bombole Abima gouverneur à Kinshasa te. Et Boloka Kandre Kimbuta Abima gouverneur à Kinshasa, c'était grâce à foi de Martin Fayoulou. Nanya Ebi Tarot. Alors, Bande Konangai, Otika distraction. Félix Tshisekedi a collé Kaka un jour. Mais, alors Félix a collé Kézanin. Ati kanamboka oyo une constitution qui est kokomama conformément à la réalité ya maeva kole kanamboka na biso. Comment la réalité est à refléter makambu mususu constitution et koloba makambu mususu. D'ailleurs, on tient à t'embêter par la motion de défiance. Oyo, ezalaki initié
pas y a un député national contre le ministre de l'infrastructure, monsieur Alexis Guizaro. Alexis Guizaro, Azali, soi-disant tout dit. A cotisé une motion de défiance conformément à cadre de contrôle parlementaire. Selon l'article 235 du Parlement, Bande Kobola n'a pas partout dans le monde, Cyril Mouamaman a connu. Je suis un communicateur très très bien formé. Et puis l'investigation et information, ce qui n'a pas formé les mounokonanga na aloba, ma kambo na koloba. Moutomaye le nyo sola nangaï, l'année langa parole par parole. On peut comprendre que tu es devant un homme d'État, un futur président de la République. Nabandeli, l'article 235, il y a règlement d'ordre intérieur, il y a parlement et le biboye. Ce qui, une fois dans le parlement, une motion de défiance est liée, et continue dans le parlement, dans moins de 48 heures, et c'est même bureau de l'Assemblée nationale a organisé plénière. Oyo, Bako Sambisa, na vrai lingala. Ministre Oyo, a sa mise à la disposition de la législateur. Donne-moi, un député national, Azali Moutou Oyo, a sa mandaté par le peuple. Avec un mandat non impératif. Moukouyo a un mandat non impératif.